Francis Perrin, à retrouver ce mercredi soir sur C8 pour la suite des aventures de Mongeville, est père de 6 enfants, dont Jeanne, née en 1998 de sa précédente union avec Caroline Berg. Une belle actrice, qui a changé de voix professionnelle depuis. Francis Perrin, héros de la série policière Mongeville diffusée ce mercredi 6 septembre 2023 sur C8 à partir de 21h20, est bien entouré de sa femme Gersand, avec qui il est père de 3 enfants, Louis, né en 2002, Clarisse, né en 2004, et Baptiste, né en 2005. Mais il est également le père des jumelles polynésiennes Cécile et Fabiola, nées en 1988 et adoptées avec Laurence sa première épouse, ainsi que de Jeanne, née en 1998 de son union avec la ravissante Caroline Berg. L'occasion de s'intéresser à cette dernière point le 21 janvier 1998, elle faisait une rare apparition publique aux côtés de l'acteur, à l'occasion d'un défilé Christian Dior à Paris. Elle a également été aperçue en septembre 1999 à la Générale de la pièce Fernando Crap m'a écrit cette lettre, puis en septembre 2000 au Générale de la pièce La Mante Anglaise, toujours à Paris, et toujours en compagnie du célèbre comédien. Depuis, ils se sont séparés, et Caroline Berg continue de se faire très discrète dans les médias. Un visage familier. Si le visage de Caroline Berg vous dit quelque chose, c'est certainement parce que vous l'avez déjà vu au cinéma ou à la télévision. En effet, c'est une ancienne actrice, qui s'est fait connaître sous le nom de Caroline Tabourin. Elle est notamment apparue dans de nombreux films comme Chercher l'erreur, 50-50, Les filles de Grenoble, Y a-t-il un pirate sur l'antenne? Une affaire de femme, Oppression ou encore Signe de feu. Mais c'est aussi le cas dans des séries à succès telles que Les enquêtes du commissaire Maigret, Commissaire Moulin, Une famille formidable, Avocat et associé ou encore La vie devant nous. Aujourd'hui, elle se consacre pleinement à la traduction littéraire d'auteurs à succès scandinaves comme Jussi Adler-Olsen. En 2021, elle a traduit le livre Trompe-l'œil d'Anne Mettenkoch, une romancière et journaliste danoise. À noter qu'elle est mère de 3 autres enfants, dont une fille qu'elle a eue avec Philippe Barroso, ancien skieur alpin français qui a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 1976. Son ex-compagne est une ancienne actrice, qui se consacre désormais à de la traduction littéraire. Francis Perrin et Caroline Berg, générale de la pièce Fernando Crap m'a écrit cette lettre en septembre.